Que se passe-t-il? Oh, eh bien, bonjour les gens, vous êtes de retour sur cette vidéo PVP. Si c'est le cas, c'est que vous avez apprécié la première vidéo. Si c'est pas le cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. C'est complètement what the fuck. Si vous n'aimez pas, bah écoutez, je m'en fous. Et si vous vous en foutez, ben c'est très bien, nous sommes deux. Et donc, voilà, je commence mal l'épisode là, c'est. Voilà. On va direct commencer par le PVP parce que bon, c'est ça que vous attendez, je pense. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous attendez du professionnalisme. J'espère pas, parce que vous risquez pas d'en avoir. Allez, j'espère avoir d'autres adversaires, parce que là, faut savoir que je tourne à la suite. De toute façon, je vous le dis si je tourne à la suite. Si je tourne à la suite. Parce que vous le verrez avec les trucs. Ah non, ça c'est un nouveau. Donc, on va écrire salut. On écrit salut à tous ceux qui disent salut. Allez. Par contre, on dit GG à tout le monde. Aïe. Alors, je sais que les décès sont cheat à ce qui paraît. Oui, bonjour. Bon, tu viens ou. Non, il est en train de recharger ses. Non. Bon, après, tu me diras, ça. Le fait de recharger ses munitions, ça sert pas à grand chose, mais. Mais pour certaines compétences, il pourra. Utiliser. Il pourra faire plus de multi-hits. Plus il a de balles, plus il pourra faire de multi-hits. Je ne sais pas si tous les chiens ont le même nombre de balles. Hein. Quand je dis tout le même nombre de balles, c'est en étant deuxième spé. TT, l'IP et le DC. Je sais que le IP il a 6 barres de munitions. Je ne sais pas pour les autres. Ah oui, d'accord. Oh là, c'est tout bon pour moi. Hé. J'ai raté. Le mec, il essaie de m'avoir à l'usure. Il essaie de m'avoir à l'usure avec le poison. Au fait, comment je fais pour attaquer? Ah oui, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de choses marrantes dans cette série. C'est série PVP, hein. Après, évidemment, il n'y a pas que Mayamaraja, mais là, j'avais envie un petit peu de la sortir du grenier, la dépoussiérer, comme on dit. En plus, il est no rank. Mais bon. Coucou, j'aimerais bien aussi jouer un petit peu. J'ai le droit? Ah non, j'ai pas le droit. Ah bah merde alors. Ah, parce qu'en plus, le mec il part. Ah oui, il recharge ses munitions de là. En plein dedans. C'est cool. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, il va dedans. Depuis quand est-ce qu'un joueur ne profiterait pas de ça? Qui est fair play? Bah tiens, dites-moi dans les commentaires qui voudrait la suppression des objets. J'en fais partie, hein. Parce que je vois que ça donne trop de bonus et de malus. Pour les malus, c'est bien pour l'adversaire, mais pour les bonus, c'est pas. Bah c'est pas bien pour l'adversaire non plus, en fait. C'est bien pour vous, mais pas pour l'adversaire. Ah oui, parce que lui, en plus, il a une compétence de parade et merde. Par contre, ça serait bien que quand Ara elle crie pas en plusieurs fois, elle crie qu'une seule fois. Parce que là, j'avoue que j'ai l'impression qu'il y a trois Ara en même temps. En tout cas, j'espère que ça vous plaît cette petite série, cette série remplie de fails, parce que des fails, vous allez en voir tout le temps. Tout le temps des fails. Le but, c'est quand même que je m'améliore, mais bon. On va essayer bah, à ma façon. Merde. Hé, j'ai bugué là! Là là là, je sais pas jouer. Oui, je sais pas jouer. Je vous le dis tout de suite. Ah, de toute façon, c'est marqué dans la description. C'est marqué dans la description que je ne sais pas jouer et que je ne fais pas de professionnalisme. Et que je fais que du what the fuck et de la détente. Et du fun surtout. Ça éviterait les commentaires du style ouais, t'es nul en PVP, t'es une merde, tu devrais quitter le jeu, tu sais pas jouer. J'ai déjà eu ça. Mais c'était pas. Oh merde. Eh, dis pas que je fuis, parce que c'est toi qui m'as poussé dedans. Eh, j'ai déjà eu des gens qui disent stop full fuite, stop de faire full fuite, alors que c'est lui qui m'avait poussé dans le téléporteur. Alors, je ne connais absolument pas tous les personnages. Hein. J'ai perdu? Ah non, j'ai pas perdu. Pas encore. Eh, le mec, il a presque rien perdu. Évitez le road to rank. Hein. Oui, je veux pas de road to rank. J'aimerais juste voir un truc.
Que dalle. Que dalle. Donc là, ouais, on est parti pour une bonne demi-heure, comme d'hab. C'est une demi-heure de PVP. D'habitude, je fais plus, mais là, genre, je préfère arrondir à une demi-heure, c'est plus simple. Donc là, il reste à peu près quoi, 25 minutes? Oh putain, vous êtes sérieux? Je peux pas voir d'autres gens? C'est bien beau de rencontrer toujours les mêmes, mais bon. Bon, encore ça va. Ceux que j'ai rencontrés pour l'instant, c'est pas des rageux. Excepté le Hellsword. Je crois que je vais mettre un long disclaimer. Le disclaimer, c'est pour dire attention. Il y a ceci et ceci dans la vidéo, si vous n'aimez pas, partez. C'est ça, le disclaimer, pour ceux qui se demandent. En gros, vous dites le contenu de la vidéo et vous dites aux gens qui n'aiment pas ça de partir. C'est pour éviter les commentaires trop négatifs. Après, c'est bien beau de donner des conseils, mais bon. On a déjà essayé de m'entraîner, mais je n'arrive toujours pas, bon, je n'arrive pas à améliorer mon gameplay. Bah, je vous l'ai déjà dit 35 milliards de fois que je ne suis pas un joueur PVP. Vous savez pourquoi? Sur tous les jeux, hein. Ah, sur tous les jeux, que ce soit du PVP, Minecraft, Hellsword, World of Warcraft, tout ce que vous voulez, j'ai jamais été bon en aucun PVP. Même Pokémon, absolument pas. Dès que je suis contre un autre joueur, j'ai aucune chance de gagner. Jamais, j'ai toujours été PvE et jamais PvP. En PvE, je suis fort, ouais. Mais pas en PvP. Même si je suis pas le meilleur en PvE, je suis loin, très très loin d'être mauvais. Wow. Allez, tant qu'on y est, après l'abolition des objets, ce serait bien qu'on abolisse aussi les perquisas. En JCJ. Parce que bon, c'est un peu chiant de trouver des perquisas. Hashtag le mien. Parce que oui, il y a le mien qui traîne en PvP aussi. Et j'avoue que c'est bon pour moi, mais c'est pas bon pour l'ennemi. Ah, j'ai pas eu le temps, merde. Allez, GG, ça serait bien. Serait-il possible d'avoir quelqu'un d'autre? On vise la victoire. Allez, on vise la victoire. Une victoire, ça sera déjà. Alléluia. Alléluia, mon frère. La victoire, elle est sortie. C'était tellement raciste. Oh là là. Excusez-moi. Ah ouais, carrément. Je suis si nul que ça. Eh, si je perds contre lui, je pense que là j'ai la palme d'or. Donnez-moi un Oscar si je perds. Et l'Oscar du meilleur joueur HL, mauvais joueur PVE, PVP, pardon, est attribué à SkyXeed. Ouais, bravo pour ton incompétence en PVP. Bon, après, faut dire que la plupart des rerolls sont des rerolls de bons joueurs. Donc après, c'est normal qu'ils connaissent ils connaissent les personnages, donc on l'a un petit peu dans le fion. C'est pour ça que je dis que même en bas level, il faut faire très très attention. Parce que moi, ne sachant pas comboter, je me fais rapidement comboter et je sais absolument pas riposter. Parce que tout ce qui est. On m'avait parlé de quoi? On m'avait parlé de Flame X, Drop, des trucs, machin, j'ai rien compris. Absolument rien. Secret Art, on m'a parlé aussi de ça. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Oh mon dieu. Et s'il vous plaît, les gens, arrêtez de dire parce que je suis level 81, je dois être fort. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Parce que il y en a beaucoup qui sont arrogants sur le PVP. C'est pour ça qu'ils insultent de noob. Parce que tu es arrogant, donc forcément tu dois rabaisser l'autre. J'en ai déjà trouvé plein des gens comme ça. Putain. J'arrive pas à jouer! Je peux même pas en placer une. Mais les gens, soyez clément avec moi, s'il vous plaît. Je suis un youtubeur. J'ai bien le droit à un petit peu de notoriété là, non? 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 Bon bah merde alors. Putain, au secours. Le mec, il doit être en train de se dire putain, je suis en train de battre un level 81, qu'est-ce qu'il est nul! J'imagine toujours le mec derrière son écran en train de dire mais c'est une merde, celui-là. Ah, je sais absolument pas jouer et je le cache pas. Je ne le cache absolument pas. Je suis là pour m'amuser avant tout. Oh là là.
Mais le fait de voir des gens qui me crachent dessus parce que je suis pas assez fort pour eux, c'est... Voilà quoi. C'est sidérant, mais bon, pour l'instant, je suis pas encore tombé dessus. Enfin, si. J'en ai eu un depuis le début. Vous savez quoi? À chaque fois qu'on va trouver un taunter, on va lui mettre un âge. Comme ça, je vais pouvoir toujours dire à chaque fois, ah tiens, ce mec il a 13 ans, ah tiens, ce mec il a 12 ans. Pourquoi? Parce que c'est tellement courant de voir des mecs de 13, de 12, 13 ans comme ça, que ça serait tellement normal. Si vous n'êtes pas comme ça, manifestez-vous. Dans le jeu, hein. Après, bon, je crois que dans toute ma vie, j'ai dû... Dans toute ma vie, j'ai dû faire un seul PVP où on a discuté tout le long. Oui, j'ai déjà fait un PVP en officiel, j'ai trouvé un joueur comme ça, puis après on a commencé à discuter, au final ça a fini sur un match nul tellement on n'arrêtait pas de parler. Non, je déconne pas, c'est déjà arrivé une fois, hein. J'avais trouvé un mec comme ça, ça fait salut tiens, voilà. Comment ça va? Là, on a commencé à papoter, on a papoté pendant tout le temps du JCJ, à la fin on s'est dit, ah merde, on a oublié de faire le PVP. Je vous jure, on avait oublié tous les deux. C'était n'importe quoi. Mais peut-être qu'on trouvera on trouvera un mec comme ça. Des fois, ça existe, hein. Ça, c'est les mecs qui se foutent du PVP et qui ont envie de faire le con. Eh ben, on peut participer. Si jamais il y en a un qui fait ça, moi, j'ai bien envie de participer. Ça changera des traditionnels, le truc. Ah tiens, tant qu'à faire, au niveau des PVP, est-ce que vous voulez que je le fasse en salle? Est-ce que vous voulez que je fasse des duels? Dites-moi, bah, lequel des deux, en fait. Lequel des deux... Non, on va faire plus simple. Ah oui, non, c'est vrai. Pour les duels, il y a un problème. Oui, pour les duels, il y a un problème parce qu'il faut que l'autre soit d'accord. Coucou! Putain, pourquoi est-ce que mes bouboules ne traversent pas les plateformes? Je l'ai touché! Non! Non, c'est pas juste! Non! Et on l'avait pas déjà vu, celui-là? Non. Un yes, jamais vu. Non, c'était un RS. Et il était level 67, c'était pas le même. Eh, je peux toujours essayer de faire un Road to the Rank, hein, c'est possible. On va appeler cette série la Road to the Rank. C'est ça. Enfin, non, je veux pas vraiment l'appeler comme ça, mais j'ai pas de nom, mais... Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais absolument pas le IS, hein, donc... Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, que je joue mal. Je fais pas exprès. Mais au moins je ne lag pas. Tant que je ne tombe pas sur un haters, c'est très bien. Je préfère encore les taunters plus que les haters. Parce que tu vois, au moins le taunter, lui, il garde le sourire. Alors que le haters, lui, il est jamais content. Il est juste là pour te descendre. Et je préfère encore les trollers. Parce que les trollers, ils essayent de se montrer drôles. On peut toujours s'arranger avec les trollers. Mais pas avec les autres, malheureusement. J'ai rien compris à ma vie! Oh putain. J'espère par pitié qu'aucun bon joueur ne trouvera cette série, s'il vous plaît. J'espère par pitié qu'il y a aucun bon joueur en S++ qui passera par ici. S'il vous plaît, faites qu'un bon joueur bien connu ne passe pas par ici. Je veux pas, s'il vous plaît, non. Je prie pour qu'il ne vienne pas intervenir, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Non, j'ai tellement pas envie de me faire incendier par les bons joueurs. Vous savez, les mecs de Ritoken et compagnie. Là, les joueurs bien connus qui sont hyper forts en PVP. J'espère ne jamais les voir intervenir. S'il vous plaît, ne leur montrez pas cette série. S'il vous plaît, non. Non, j'ai pas envie voilà quoi. J'ai pas envie d'être, comment dire. On va dire blessé. C'est pas du tout ce mot-là que je voulais, mais on va dire ça. J'ai pas de mots en fait. Que ce soit un AD ou un Elsword ou une Reyna, ça change rien. Ça change rien. Je suis mauvais, je suis mauvais et je fais pas exprès. Absolument pas, hein. Je troll absolument pas, c'est tout est réel.
C'est absolument pas du jeu d'acteur, hein. Je vous rassure que ceci n'a pas été joué, hein. Ce n'est pas du. Ceci n'est pas un tournage, hein. Enfin, si, c'est une vidéo, mais. Voilà quoi. Pourquoi tu fais ça? Voilà! Bon, après, s'il y a des abonnés qui veulent participer, ok, mais bon. Je sais pas si ça va vous intéresser. Donnez-moi un Oscar! Donnez-moi un Oscar de la plus grande. Du plus grand. Alors. Malheureusement, je ne suis pas encore le plus grand user. Mais je suis le plus grand mana breaker, déjà. Peut-être pas le plus grand perdant, parce qu'il y en a qui c'est. Bah, il y en a qui sont encore pires, je pense. On dit qu'il y a toujours pire que soi. Bah, j'aimerais bien voir ça. Je sais pas combien de fois j'ai mana break, mais. On est peut-être dans la centaine, là. Je pense qu'il y a des chances. Aïe. Bon, après, faut dire, je pense que le JCJ est mieux si on connaît le personnage adverse. Genre si on l'a déjà joué, pour connaître un peu ses tactiques. Aïe. Ah bah j'ai plus de PV. De PM. Ouais, de PV non plus d'ailleurs. Aïe. Non. Oh oui. Ça sert tellement à rien ce truc. Mais t'es sérieux, je fais zéro dégâts. C'est comme si j'étais à poil. Ah bah je peux pas montrer mon truc de joueur. Reviens ici. Ah oh, oui d'accord. On va essayer. J'arrive pas. Depuis tout à l'heure je fais contrôle. Je vais essayer de l'utiliser les amis. Je sais qu'il y en a pour qui ça les stresse de pas le. Bah, je me rappelle encore du dernier PVP où ça a stressé des gens de voir que j'utilise pas contrôle. Voilà, vous l'avez, vous êtes content? Ça sert à rien, parce que bon, lui, il a trois trucs derrière lui, honnêtement, il me fait ça, je suis mort. Hein. Le mec, il est juste en train de me troller. Oui, je sais, il a pas de défense, mais normal. Trop dangereux. Il faudrait qu'ils enlèvent ce trou, parce que bon, ça serait bien que les joueurs ne l'utilisent pas, quoi. Voilà, je use parce que Osef. Le mec, il est en train de me troller. Hein. Allez. Si je continue à. Allez. Moi, je spam. Parce que j'y arrive pas. Moi, quand j'y arrive pas, je spam. Il a compris que. Oh, mais non, t'es sérieux? Il a sorti Apocalypse. Espèce de. T'as pas de couilles! T'as pas de couilles! T'as pas de couilles, le had! T'as pas de couilles! Espèce de sans-couilles! Espèce de meuf! T'as pas de couilles! T'as pas de race non plus d'ailleurs. T'as pas de couilles. Alors pour lui, pas de GG. Parce que lui, il a pas de couilles. Lui, il a pas de couilles. J'ai envie d'écrire t'as pas de couilles. Oh putain, il est parti, nique sa race. Bon, tant pis. Putain, le prochain qui me fait ça, je lui écris t'as pas de couilles. Ma hacha, je l'ai jamais utilisé en JCJ. Jamais. Même quand je pouvais, j'ai jamais utilisé. Même quand j'avais les MP. J'ai jamais utilisé. Ça te fait perdre une médaille pour rien. Le mec, il a sorti Apocalypse. Hein. Moi, je dis, il a pas de couilles. Hein. Moi, je dis, allez, tout le monde le lynche. Allez, tout le monde le lynche. Moi, je dis pouce bleu. Pouce bleu pour sa tronche. Non, pour son fait qu'il ait pas de couilles. Coucou, la Azura. Je l'ai aussi. Tiens, faudrait peut-être que j'essaie le PVP avec elle. Ah oui, j'ai pas fait de PVP sur mes deux autres Ara. Oh putain. Ça va être chiant. Ah bah je le ferai avec vous. Bah je pense que pour le prochain épisode, je changerai de personnage. Après, si vous voulez que je retourne sur un personnage en particulier, aucun souci, hein, je vous montre la fenêtre de mes personnages. Bah j'en ai pas beaucoup. J'adore le spam, c'est tellement plus marrant. Coucou le spam, comment ça va? Spam, 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 j'adore le spam. C'est à la place de Ritano, c'est. Ah non, merde. Non, ça marche pas. Toi, moi, mon beau spammer. Non, ça marche pas.
Ah, je trouve pas de musique qui va avec. C'est pas juste. Putain, y a pas du Barry White où on peut changer les paroles par spam? Spam, 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 mon spam. Spam, spam, mon spam. J'adore spammer. Oh, et je connais pas du tout la musique, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, faut savoir que sur certains personnages, le stuff PVP, je l'ai jeté. Parce que j'ai pas l'habitude de faire de PVP, en fait. Mais bon. Avec une perquisasse plus 8, ça passe, non? Y a que comme ça que ça passe. Donc du coup, les Ara et les Reyna, ça... Ça passe avec la glace. Loupé! Bah, moi j'ai loupé. Mais je pensais pas qu'elle allait louper. Coucou! Allez! Spam, spam, mon spam! Spam, spam, mon spam! Allez, spam, spam, mon spam! Spam, pam. Oh! Mais attends, c'est pas un spam ça! Mon Dieu! J'ai cassé mon spam! Aïe, 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 l'esprit de la foudre, j'aime pas. 30 secondes. 30 secondes d'esprit de la foudre. On se casse. Elle a pas utilisé. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Coucou. Bon. On va attendre 30 secondes, hein. Parce que je connais cette compétence. Oh putain, j'ai absolument. J'ai oublié de compter. Elle a encore. Putain, j'ai jamais trouvé comment faire ces javelots. Oh! Comment j'ai fait pour la choper avant qu'elle tombe? Oh! Non! Tu sais que la glace sur Ara, ça sert à rien. Je fais ça et puis voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de glace. Hein. Et pour Reyna, c'est pareil. Tu fais le coup de pied glissé, c'est terminé. Enfin, du moins pour la WS. Après, pour les autres, je ne sais pas. Je crois que pour la GA, ça marche pas. Et la W. Ah bah non, et du coup, il n'y a que la WS. N'est-ce pas épique? Allez! Coucou! Eh, on approche de la victoire? Non. La Azura, elle n'utilise pas trop de sphères. À part pour ça. Je sais pas, il y a des gens qui disaient que cette technique était nulle à chier. C'est pas vrai, hein. Elle est pas nulle à chier du tout. Oh merde, trop loin. Excusez-moi, je l'ai mal utilisé. Ne me punissez pas, s'il vous plaît. Soyez clément avec moi. Oh, t'es sérieux? Elle est descendue au bon moment. Si elle n'était pas descendue, elle serait aspirée dedans. Ah, j'ai plus de vie. T'es sérieux? What? J'ai été heal. Pourquoi? What the fuck? Alors, je suis surpris. Je ne savais pas que c'était possible. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été heal. Peut-être que vous le savez. Moi, j'en ai aucune idée. Aïe, 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 aïe. Non, non. Purée. Bon, elle a le bonus. Bah alors. Ça serait bien qu'ils mettent la durée des effets d'attributs dans le coin en haut à gauche. À droite. Ou à gauche, peu importe. Qu'on ait les effets, quoi. Non. Attends, là j'ai une saloperie de bestiole qui est en train de me tourner dans la tête là. Je peux pas jouer en même temps et la virer. Ouais. Me dites pas que c'était pas épique ça. C'était best fight ever. Quoi? Ah non, time out. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas eu le temps de voir. Oh, en gros c'est un mec qui dit pim, tu l'as dans les dents. En gros, c'est ça. C'est le mec genre tiens, je t'ai battu. C'est ça. C'est les mecs qui adorent te. En gros, ils te battent et puis après ils te chauffent. Enfin, non, comment on appelle ça? Les gens qui te battent et puis après qui te narguent. Ah bah oui, c'est ça, ils te narguent, c'est ça. Encore? Tu peux pas faire autre chose, s'il te plaît? Laisse-moi affronter d'autres joueurs.
T'es pas tout seul. Le mec, il... Il est passé où? Ah, il est là. Putain, il avait disparu. C'est hashtag le mec qui dit... Ah, il est passé où le joueur alors qu'en fait, il est passé de l'autre côté. Oh. Putain, je suis en train de me gratter le nez, là. Putain, c'est pas juste. Je me suis gratté le nez. Oh non, grosse tête. Je fuis. C'est pas grosse tête, c'est... L'autre debuff là. Oh non, je fuis. Tant que j'ai ce debuff là, je fuis. Allez, 10 secondes. Après, dis pas que je joue full fit parce que je joue pas full fit. J'attends juste que le debuff disparaisse. Allez, 4 secondes. Non. C'est bon. Il allait justement écrire que full fit. Bah, vous devriez. Ah, bah non. Ils savent pas comment je joue. Parce qu'ils regardent pas mes vidéos. Oh, mais t'es sérieux? Bon, ça va, c'était pas un debuff parce que là, j'ai tellement pas de chance. Aïe. Non! J'avoue que le Super Smash Bros, ça serait tellement pété avec les objets. Mais alors, dans ce cas, faut qu'il les supprime ici, les objets. Par contre, ça serait bien que les joueurs avec un certain pourcentage puissent se rencontrer. Lui, je pense qu'il doit être à un pourcentage assez avancé du niveau A. Enfin, du rang A. Donc, ça serait que je le rencontre plus. Non! Je l'ai fait tomber dessus. J'adore les gens qui te disent oh, useful item alors que lui il t'a poussé dessus. What? Je l'ai touché quand il était en invul. C'est possible ça? Je sais qu'il y a un truc brise armure, des trucs comme ça, mais pas pour Yamaraja. Ah, c'est n'importe quoi. Epicness is here. Oh. Ah bah voilà, là j'ai la priorité les gars. Non! Oh purée! Il a réussi à sortir. Bon, c'était assez facile, je crois. Mais je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle va, la bouboule, à chaque fois. Celle qui aspire. Bon, après, tu me diras, oui, elle va devant moi, mais... est-ce que je peux la déplacer? J'ai jamais essayé, c'est vrai. Bon, je reste loin, puisqu'il fait ça. Aïe. Bon, je gagnerai pas, mais je vais tenter une... une approche différente. Bon bah c'est raté. Oh mon dieu. Allez GG, on est sympa, on écrit GG. Est-ce qu'on reverra le sans boule? Ah oui, oui. Ah moi je suis sans pitié, je crache sur la gueule des gens qui utilisent des achats. Parce que moi-même je n'en utilise pas. Même si je dis à chaque fois que le bouton me démange, je l'utilise pas. Après, c'est vraiment s'il le demande. Alors là, par contre, j'utilise. Il faut vraiment que le mec, il soit d'accord, quoi. Ce qui, en général, n'arrive jamais. C'est jamais arrivé, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Parce que j'ai pas envie de gaspiller de médailles pour rien, non plus. Ah, enfin! Enfin, quelqu'un de nouveau! Après, voilà, ça varie selon les jours. Mais je sais pas, en fait. J'ai l'impression que entre Ruben 2 et Elder 1, c'est les mêmes joueurs. Je crois que c'est international, enfin international, naturaliste. Putain, on dirait les PNJ dans Minecraft. Ceux que je fais sur Nevermind. Je connais la WS, mais je me fais tellement déglingue. Coco, putain, je connais ça. Je connais ça, jamais réussi à le faire. Ah, non, je lui ai donné une indication comme quoi j'ai plus de PM. Bah oui, parce que s'ils voient mes petites fumées, ça veut dire que j'ai plus de PM. Ça, ils le savent, les gens. Alors, Reyna, normalement, j'ai rien à craindre. J'ai pas grand-chose à craindre d'une Reyna, si c'est pas une Night Watcher. Quoique, Géa, non, encore que, ça passe. Enfin, si elle fait pas Gugnir. Ou alors les trois qui font le... comment il s'appelle? Le Phénix ou la Tempête. Quoique, quel intérêt? Oups! Ah, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas. Oh mon dieu, j'ai pris tellement de dégâts que même si je perdais avec je pourrais perdre avec le temps. Elle peut jouer en full fuite là. Je n'arrive pas à catch. Comme les gens disent. Je vais essayer de parler comme les pros.
Mais je vois absolument pas comment faire. Oh. Oh, la belle allonge. Coucou. Pas mal. Oh non, c'est pas le bon sens. Alors oui, je sais, ça va être la fin de l'épisode, mais... J'ai le droit de finir, non? Résultat, pour l'instant, que des défaites. Comme j'ai dit, hein, j'attends la victoire. Mais pas une victoire facile, une vraie victoire. Une victoire difficile, on va dire. Mais c'est quoi ton but? Oh là là. Oh les gens. C'est chelou. Non, 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 te recherche pas en PM. Champ sacré, ça fait quoi déjà? Ça donne de la... Oh non. Non. Elle se régène. Alors, puisque c'est comme ça, l'élixir, on va l'attendre, il va venir. Ça sert à rien, voilà. Où est-il? Oups! Quoi? Ah non, c'est bon. Voilà. Oh! Ah merde. Ne vous excitez pas si je perds comme une merde, hein, c'est ma marque de fabrique. Parce que là, je vois déjà les mecs qui ont, qui sont jeunes écrire noob, tu sais pas jouer, enfin voilà, tous les commentaires haters possibles et imaginables, quoi. J'ai connu ça. J'ai connu. Et je m'en remets très vite, vous inquiétez pas. Je suis dur comme du fer. Dur comme. Ok, d'accord. J'arrête. Mais bon, enfin, j'ai l'impression. Quand le personnage disparaît, ça sert à rien que j'écris GG. Ça sert à rien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous en avez assez eu. Et je pense encore tourner quelques épisodes à la suite parce que honnêtement, là, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. J'ai envie de tourner. Ça fait longtemps que je vous avais prévu ça et que je vous avais dit que j'allais le faire et que je l'ai jamais fait. Donc, il est temps que je me rattrape. Alors, c'est pour ça, je vais faire, je sais pas, 5, 3 à 5 épisodes. Vous verrez, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit 5. Vous me connaissez. Vous me connaissez, j'adore tourner. Et que j'adore faire des épisodes à la suite comme ça. Et ouais. Bref, du coup, je pense que... Bah, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé me voir souffrir et me voir mourir comme une merde. C'était drôle. Tiens, je suis passé au rang B. Oh putain. 75%, je suis tellement mauvais. J'ai été rétrogradé alors que le jeu m'a mis en rang A. J'arrive pas à garder mon rang, c'est juste impossible. Bah avec ma Crimson, j'ai déjà été rang A, mais j'ai jamais réussi à monter plus haut. C'est normal, elle, je la maîtrise un peu plus. Et elle a un gameplay plus rapide. Mais vu qu'elle s'est pris un gros nerf dans la gueule, bah j'arrive plus à rien maintenant. Bah tout est à refaire. Tout est à refaire. Je sais plus la maîtriser. Avec tous les nouveaux combos, tout ça, pff, terminé. Bon, enfin bref. C'est gentil de me demander de m'aider ou de me donner des conseils. C'est gentil, mais ça changera rien pour moi. Ça changera rien. À moins que vous venez tous, on fait du 3. Vous venez tous et on fait du soit du winner match, soit du 3 contre 3, soit du 2 contre 2. À vous de voir. Mais enfin bref, tiens, carte peu appréciée. Où elle est? Là, dégage. Je veux plus jamais te voir, toi. Et tant qu'à faire, c'est là. Voilà. Plus de téléporteurs et plus de trous. Voilà. Mais enfin, ça peut encore tomber, mais beaucoup moins. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé me voir perdre, et si vous avez aimé tout court. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez toujours plus, parce que moi j'adore perdre pour vous. C'est très déprimant. C'est très... Voilà. C'est très dur. Non, bref. Mais non, vous inquiétez pas, c'est rien que je perde. Moi, je joue pour le fun. Bon, après, c'est vrai que j'ai un style de jeu très posé. Je suis pas un tryharder. Tiens, à rajouter dans le disclaimer. Je l'ai pas encore fait le disclaimer. Puisque logiquement, je tourne ça à la suite, donc j'ai pas encore mis sur YouTube. Donc voilà.
Voilà, sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode du JCJ de la série sans nom. Parce que j'ai toujours pas de nom. On va l'appeler JCJ tout court. Voilà, allez, bye tout le monde. Ah, c'était lamentable.